Bonjour à tous. Nous avons un temps très calme en ce moment sur le pays avec les brumes et les brouillards qui persistent, des brouillards givrants d'ailleurs par endroits. Mais sur les hauteurs, c'est le soleil qui va largement dominer vers le pic de Lisieux, par exemple avec cette neige abondante en Haute-Loire et une autre photo sublime vers le pic du Midi dans les Hautes-Pyrénées avec quand même ce spectacle qui est toujours magnifique. Alors nous avons encore jusqu'à demain l'anticyclone qui reste vraiment bloqué sur le pays, mais cette petite dépression va réussir à remonter par le sud et va apporter beaucoup plus d'instabilité à partir de jeudi. Alors cet après-midi, on aura déjà ces brumes et ces brouillards toujours bien présents sur le quart vraiment nord-est de la France, avec un risque vraiment d'averses et de pluie et de neige mêlées sur les Ardennes. Au niveau des températures, ça va rester toujours bien froid, avec à peine 4-5 degrés sur les régions de l'Est. Plus doux, en revanche, sur un petit tiers sud, avec 15 degrés pour Biarritz. Et ensuite, demain, on aura une journée similaire à aujourd'hui, avec encore ces brouillards, des brouillards givrants, même par endroits, vers le bassin rennais, vers le Val de Saône, le nord-est du pays. Et dans l'après-midi, cette grisaille va vraiment rester scotchée sur les régions du nord. Ce sera beaucoup plus lumineux, en revanche, sur la moitié sud de la France. Les températures ne vont pas bouger, elles seront très froides, avec encore des gelées quasi généralisées sur le pays, avec des moins 2 pour Reims, ou encore 3, moins 1 par exemple pour Nancy. Et ensuite, dans l'après-midi, les températures resteront très faibles avec la grisaille en fait qui empêche le soleil de réchauffer le sol. On sera à peine à 4-6 degrés sur le nord et là où le soleil sera plus généreux, les températures seront également plus agréables et de saison avec une dizaine de degrés. La suite, eh bien, c'est un temps très perturbé qui va arriver à partir de jeudi par le sud avec des averses de pluie assez intenses en plaine, de la neige déjà sur les reliefs. Vendredi, cette dépression va remonter un petit peu sur le centre-est avec probablement de la neige vers la Bourgogne, le Lyonnais. On attend 10 cm de neige en plaine, ça reste à confirmer. Et ensuite, samedi, on aura encore quelques flocons sur ces régions. Et dimanche, ça pourrait atteindre cette fois-ci les côtes de la Manche ou le quart nord-est de la France. Allez, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique maintenant avec un temps beaucoup plus lumineux et chaud avec une trentaine de degrés. Pour l'océan Indien, quelques averses qui ponctuent votre journée, mais globalement, le temps reste quand même très agréable avec 32 degrés à Mayotte. Et enfin, pour l'océan Pacifique, nous avons toujours ce ciel partagé entre nuages éclaircis et quelques averses de pluie. Très belle journée à tous. Bonjour à tous. Nous avons un temps très très calme sur le pays et surtout beaucoup de neige sur l'ensemble des massifs. La neige ne va pas finir de faire parler d'elle. D'ailleurs, on va en parler d'ici quelques instants. Mais regardez ici au Mont d'Or, dans le Puy de Dôme, avec ce magnifique paysage hivernal. Et une autre photo à Isola 2000 avec vraiment ce magnifique spectacle. En plus, le soleil est bien présent sur les hauteurs. C'est vraiment des conditions idéales pour pouvoir marcher un petit peu dans le secteur. Et regardez quand même cette dépression va commencer à remonter vers les régions du sud et apporter vraiment davantage d'instabilité à partir de jeudi. Donc il y aura encore aujourd'hui et demain avec un temps très calme, toujours ces brouillards, nuages bas sur la moitié nord, quelques flocons peut-être qui pourraient se mélanger à de la pluie vers les Ardennes. Très lumineux toujours sur le sud du pays et les températures encore une fois bien froides avec des valeurs en dessous des normales de saison, 5-6 degrés au meilleur de la journée à l'échelle nationale. Demain, même journée qu'aujourd'hui, brouillard givrant au réveil, beaucoup de grisailles sur la moitié nord, peut-être plus lumineux cette fois-ci vers les côtes de la Manche et demain après-midi, ce ciel plus lumineux va remonter un peu plus vers le Limousin et également en remontant vers le Jura. Les températures, ce sont de nouveau des gelées avec très peu de valeurs positives au réveil. Et ensuite, dans l'après-midi, les températures vont encore être bien froides, en particulier sur le nord-est, avec à peine 4-5 degrés au meilleur de la journée à cause de la grisaille qui va persister donc sur ces régions. Et dès jeudi, changement de temps, notre dépression va se caler un peu plus sur les régions du sud et surtout, ça va apporter beaucoup de neige, y compris en plaine probablement. Pour la Bourgogne et le Lyonnais, c'est vraiment un épisode à surveiller. Et à confirmer. Ça devrait continuer encore pour la journée de samedi sur l'est du pays et dimanche, ça pourrait même concerner les côtes de la Manche et un quart nord-est de la France. Très bel après-midi à vous.